L'installation de notre mur accent est presque terminée. On remarque que nos deux lames d'eau ont été installées et la plomberie raccordée par l'installateur de la piscine. On a fixé les deux lames en place à l'aide d'un mortier pour soulever les unités pour retrouver la bonne élévation. On les a sécurisées en place à l'aide de la colle FlexLock. Maintenant, l'eau est installée, il est temps d'installer l'élément de feu. Pour supporter nos cinq brûleurs de gaz naturel, on a utilisé ces blocs de béton pour construire cinq chambres d'entretien. Les brûleurs vont se reposer sur trois côtés de chaque chambre. Puisque les brûleurs ne peuvent pas être installés directement sur le béton, on retrouve ces berceaux dans lesquels on peut insérer les brûleurs. Les brûleurs sont fournis par la compagnie Fire Gear et vont produire entre 37 et 55 000 BTU, ce qui va donner des très belles et grandes flammes. On retrouve par la suite un panneau en aluminium d'une épaisseur de 3/8 de pouce. Ce panneau sert à la fois à soutenir la pierre décorative ainsi qu'à faciliter l'accès aux chambres d'entretien. Ceci est nécessaire pour les inspections annuelles ainsi que les entretiens au besoin. Dans la chambre, on retrouve le boîtier mécanique qui contient l'adapteur CA ou la batterie pour l'opération de ces appareils. Également, nos raccordements pour le gaz naturel. Maintenant, on attend après notre technicien certifié CMMTQ pour faire les raccordements. Un grand avantage de ces brûleurs est que le consommateur peut les opérer à l'aide de cette manette, ce qui est très pratique. Finalement, pour rendre cet espace plus chaleureux, on utilise l'éclairage Coastal Source. Les fixations sont conçues entièrement en laiton et donc sont très durables. Les mini-connecteurs avec le filage Lip Zinc breveté par Coastal rend l'installation très facile. Mettre de l'eau et du feu dans une même installation est une expérience audacieuse, mais vous verrez à quel point le résultat final va être spectaculaire.